Comme on n'était pas très loin de chez Paris, on descendait soit à pied, si on avait le temps, ou en vélo. Et je me vois avec mon père descendre en vélo le matin. Et alors, il y en avait une sirène, il y avait une sirène qui sonnait, une sirène, une petite sirène, 10 minutes avant l'heure de l'embauche. Alors, cette sirène était assez discrète, hein, mais ça s'entendait dans un rayon quand même de 1,5 km à peu près. Donc, 10 minutes avant. Bon, alors là, avec le père, on se disait, il est grand temps peut-être de monter sur les vélos. Et puis on descendait, mais à tombeau ouvert. Et on avait une deuxième sirène, beaucoup plus forte, qui allait au-delà. Parce que la majorité des gens de chez Paris habitaient quand même dans un rayon assez restreint. Mis à part quelques personnes qui venaient de Cordemais ou des choses comme ça, mais on habitait souvent dans un rayon de 3 km à peu près. Et cette sirène sonnait 3 minutes avant. Si on avait le malheur de partir un peu trop tard de chez soi et qu'on arrivait 15 secondes après la fermeture, parce que les portes étaient fermées à l'époque, fallait attendre. Et il y avait un quart d'heure d'attente et un quart d'heure sur le salaire aussi. On nous retirait un quart d'heure sur le salaire. Il fallait attendre. Quel que soit le temps, on restait dehors à attendre.